C'est quoi ça? Une affichette. Ne me prends pas pour une truffe, Nathalie. Aujourd'hui, une cellule d'aide psychologique sera assurée par le professeur Rubinstein, bureau S223. Oui, c'est pour rassurer le personnel après le suicide de Philippe, décision du CE. Est-ce mon référé? Bravo. Vous l'avez déjà demandé suite à l'incendie. Je ne vois pas l'intérêt de faire perdre du temps aux salariés pour une anecdote qui s'est déroulée il y a plus d'un an. Le cuistot a quand même brûlé avec la béchamel. Il s'est immolé. Puis de toute façon, personne n'a été traumatisé, à ce que je sache, ni par le suicidé, ni par l'incendie. Au revoir! Ouais, c'est pas flagrant. Bonjour, professeur Rubinstein. Je viens pour le soutien psychologique aux salariés. À la suite du suicide de votre collègue. Oh oui, quelle tristesse, c'était comme un frère. On n'ira jamais, Gérard. Il s'appelait pas Philippe? Si, Gérard Philippe. On s'occupera de ta famille, mon fifi, je te le promets. D'ailleurs, on est chargé de faire une cagnotte. C'est à partir de 100 euros. Eh oui, mais moi, c'est pas sa famille que je vais aider. C'est vous? Ah non, mais c'est pareil, si vous voulez nous aider, c'est 100 euros. Ou ton collier de perles. Pardon? T'as pas compris? Tes bagues et ton sac, connasse. C'est une blague? Ouais, c'est ça, c'est une blague. On adore l'humour, nous. Bonne journée. Pas de badge. Deuxième étage. Merci. On n'a rien vu venir. Elle n'avait pas l'air déprimée. Enfin, pas plus que d'habitude. Oui, enfin, moi, ce que j'en dis, c'est qu'il faut savoir prendre sur soi, des fois. Je te trouve un petit peu dur, Hélène. Hein. Il n'avait pas une vie facile. Hein. Il était quand même handicapé à 75%. Aucune possibilité d'évolution dans le boulot. Et sa femme venait de le quitter. Oui, alors écoute, on a tous nos petits soucis aussi. Hein. Moi aussi, avant, j'avais des idées noires. Hein. Eh ben, j'ai acheté des beaux vêtements, un petit coup de peigne, et voilà. Je suis beaucoup plus épanouie maintenant. Je sais pas, moi, c'est une question de respect de soi et de volonté, je trouve, tu vois. Je dis pas d'être sophistiquée comme moi, mais Philippe, ces derniers temps, je sais pas si t'as remarqué, mais il se lavait même plus les cheveux, alors... Il avait quand même perdu l'usage de sa main droite, hein. Je trouve que t'as vachement changé, Hélène, depuis ton looking. Ouais, je sais. C'est quoi ce truc? Vous savez très bien ce que c'est. Bah non! Comment ça marche? C'est pour tailler les crayons, c'est électrique, je vous ai déjà montré. Ah, mais ça a l'air génial comme invention! Vous montrez comment on fait? Alors, d'abord je place le bout du crayon. Où ça? Dans l'orifice. Puis j'enfonce. Mmh. Je m'assure que je suis bien au fond. Mmh. Puis je fais des mouvements avec le crayon. Mmh. En avant, mmh. En arrière. Faites le truc en avant, en arrière, là. En avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Ouh, putain. Bon, je peux reprendre le travail? C'est incroyable comme c'est bien pensé, ces petits objets du quotidien. Je suis vachement sensible au design, moi, en fait. Entrez, n'ayez pas peur. Soyez sans crainte, hein. Je suis psychologue. Aucun de vos propos ne sortira de ce bureau. Asseyez-vous. J'imagine que vous êtes un petit peu perturbée à la suite du suicide de votre collègue. Bah, moi, je cherchais les cabinets. Ça va, Nat? Je suis à fond à la bourre sur les bilans Sogicom, mais sinon, ah bah nickel. Non, je voulais parler de Didier. Je sens beaucoup de colère en toi. Ah non, non, merci, ça va, Cathy. Ouais, mais un peu de déception. Ouais, mais aussi de la colère, mais tu te l'interdis. Non, je t'assure, puis c'est la vie, hein. On s'aime plus. C'est la honte, te laisser tomber comme ça. Non, c'est moi qui l'ai quitté. Écoute, Nathalie, je suis désolée, mais c'est humiliant qu'il se tire du jour au lendemain pour la première salope venue. Oh, en fait, je connaissais un petit peu, c'était sa secrétaire, et je te répète, c'est moi qui l'ai quitté. Tu dois avoir ça en permanence dans la tête, tu vois. Je vais te détruire comme tu m'as détruite, sale connard. Regarde dans quel état t'es.
T'es là comme une plante sans vie, quoi. Regarde ce qu'il a fait de toi. Non, non, mais je t'assure, je m'en sors bien. Évidemment, des fois, c'est... Je vais l'appeler. Ça me paraît pas une bonne idée, Cathy. Il finira bien par répondre, le Didier. C'est la bonne vocale. Rends-moi ton téléphone. Il va bien, il va bien. Chut. Allô. On sait tout, on sait tout. Rends-moi ton téléphone, Cathy. On sait ce que tu fais avec cette petite pute. Ça suffit maintenant, rends-moi ton téléphone. Je t'ai dit que je vais mieux, c'est que je vais mieux. Excuse-moi. Moi aussi, je sais ce que tu ressens parce que moi aussi, j'ai divorcé. Ah, surprise. Si tu changes d'avis, j'ai une batte. Ça ira, merci, Cathy. Tu l'as ici, ta batte? Excusez-moi, je cherche... Deuxième porte à droite. Merci. En fait, les collectionneurs ne le savent pas, mais je vais te donner un tuyau. En fait, si tu vas au salon du badge, porte de Versailles en janvier, ah, moi, j'y suis allé il y a des stands avec des pins. Et du coup, tu peux avoir des exemplaires que tu n'as pas d'habitude dans le salon du pins. Parce que les collectionneurs ne savent pas qu'il y a des stands de pins au salon du badge, parce qu'ils se disent, tiens, il n'y aura que des badges. J'ai fini mon plat de résistance. Moi aussi. C'est la première fois qu'on s'expose comme ça. Ça risque de jaser pas mal. Hein. Tant mieux. Je veux que tout le monde sache à quel point je t'aime, bébé. Tout le monde nous regarde. On dirait qu'ils ont pas de vie privée ou quoi? Ils sont jaloux. Ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Martine? T'as jamais vu un couple? Je voulais juste vous dire qu'il faudrait remettre vos chaussures. Je suis désolée, mais c'est assez gênant. On est à table. Ça daube. Et alors, on vit qu'une fois. Hein. Ouais. Mais je comprends que vous soyez déçus. Oui, oui, mais je l'entends complètement. Oui, malheureusement, j'ai votre dossier sous les yeux. Et ça ne correspond pas aux critères de l'entreprise. Voilà, Madame Morel, comptez sur moi. Oui, je le passe à un autre service qui pourrait être intéressé. Mais c'est tout à fait normal, Madame Morel. D'accord, Madame Morel. Oui. Au revoir, Madame Morel. Oui, merci. Ouh, on me casse les couilles, Madame Morel. Je les pose là. Oh my God. Ça va? Est-ce que vous auriez envie de me confier quelque chose à propos de votre collègue qui s'est suicidé? Ah, non. Je crois qu'il y a un malentendu, là. Je suis passée vous voir parce que je vous paye et que pour l'instant, personne n'est venu. Peut-être que si vous n'aviez pas mis ça sur la porte, j'aurais eu plus de succès. Mais maintenant que vous êtes là, vous pouvez peut-être en profiter pour me parler de votre mère. Ma quoi? Votre mère. Je vois pas le rapport, là. Moi aussi, Madame Brontier. Alors? Votre mère. J'ai rien à dire. Elle était parfaite. C'est génétique. Dites-le lui, alors. Imaginez qu'elle est là devant vous et dites-lui qu'elle a été parfaite. C'est ridicule, voyons. Allez-y. Essayez. Bravo, Paulette. Voilà. Paulette. Vous ne l'appelez pas maman? Elle dirigeait une centaine de personnes. Elle n'avait pas vraiment le temps pour ce genre de niaiserie. Qu'est-ce que vous appelez niaiserie? C'est important pour un enfant qu'une mère le cajole, qu'elle lui dise qu'elle l'aime. Écoutez, Paulette a ouvert la voie pour que des femmes comme vous et moi puissent faire tourner leur boutique. Alors si vous faites votre truc, là, 150 euros de l'heure, au lieu de repriser des chaussettes encore en robe de chambre au milieu de l'après-midi, c'est grâce à des femmes comme Paulette. Hein? C'est vous qui devriez lui dire merci. On a fini. 150 euros. Oh, vous tombez bien, putain, je viens de me faire une Claude François, là. Courjuf, pouf, ça a foutu le feu à ma step. Putain, j'ai flippé, là. D'ailleurs, vous avez pas de la pommade ou un baume à lèvres? Ou un Mister Freeze? Mademoiselle? Mademoiselle? Ça va?
Oh là là, elle pèse une tonne, vas-y, viens là. Oh là là. Et qu'est-ce qu'on a? Elle s'est évanouie, mais vous vous inquiétez pas, on s'en occupe. Attendez, je peux vous aider, j'ai mon brevet de secouriste. Allez, ton brevet de occupe-toi de ton cul, tu l'as? Allez, là, dégage. Donc, bijoux, portable. Oh, c'est quoi ça? Quoi? Hey. C'est un taille-crayon. Ouais. D'abord, je place le bout du crayon. Où ça? Dans l'orifice. Et puis? Puis j'enfonce. Ouais. Je m'assure que je suis bien au fond. Et puis? Et puis je fais des mouvements. Ouais. En avant. Ouais. En arrière. Non, refais-le plus sensuel. Allez. Oh, c'est quoi ça? C'est un taille-crayon. Ouais. Je place le bout du crayon devant l'orifice. Ouais. Où ça? Devant l'orifice. Et puis j'enfonce. En avant. Allez. Oh, c'est quoi ça? C'est un taille-crayon. Oh, génial, vas-y. D'abord, je place le bout du crayon où devant l'orifice. Devant l'orifice. Où ça? Dans l'orifice. Et puis? Et puis j'enfonce. Et puis? Je m'assure que je suis bien au fond. Ouais. Et puis je fais des mouvements avec le crayon. Ouais. En avant. Ouais, en plus arrière, vite. Plus vite. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Oh, c'est quoi ça? C'est un taille-crayon. Oui, vas-y. Un taille-crayon. Je place le bout du crayon devant l'orifice. Ça, j'y crois pas, ça marche plus. Peut-être que c'est parce que t'es plus nouveau. C'est ça. Ça fait longtemps. Ta gueule. C'est qui le plus nouveau ici? J'imagine que ça a dû être un traumatisme. Non, pas tant que ça. Moi, je vis à fond mon célibat. Hein. Apéro dingo, soirée de taré, drague, bientôt. Je parlais de la mort tragique de votre collègue. Ah oui, ça oui. N'empêche que depuis, j'ai appris à faire les mojitos avec n'importe quel alcool. Hein. Allez-y, donnez-moi un alcool, par exemple. Porto, bing, je peux le faire. Ma chatte est morte. Hey, tu vas où avec ton collier de perles? Nous aussi, on veut que tu nous oscules la tête. Ouais, nous aussi, on a des névroses. Et ma chatte!